Je suis Renaud Perche, j'ai été candidat pour la gauche unie à l'élection à la présidence de la métropole de Lyon. Vous savez peut-être et probablement que la métropole, c'était la première fois qu'il y avait, c'est la seule métropole où il y a une élection au suffrage universel direct. Et donc, je l'ai été au nom de la gauche unie que j'ai cherché à rassembler notamment pour cette élection. L'histoire, elle commence il y a un peu plus d'un an, quand on lance une candidature fictive dans la presse qui s'appelait Madame Z et qui rassemblait justement des écologistes et des personnalités ou des militants de gauche. Et à ce moment-là, on dévoile cette Madame Z à travers un collectif parmi lesquels on trouvait Grégory Doucet qui sera élu dans quelques jours maire de Lyon. Bon, le rassemblement avec les écologistes a pas pu se faire au premier tour. On a mené des campagnes parallèles et donc de mon côté, mais avec les organisations, on a œuvré à une candidature de la gauche unie. Alors, quand je dis gauche unie, il y avait le Parti communiste français, le Parti socialiste, Génération, GDS, Manufacture de la Cité, qui est un petit mouvement citoyen, Place Publique, Nouvelle Donne et des Insoumis. Bon, moi, ce que je veux, juste comme témoignage pour rappeler quand même ce qui s'est passé à ce moment-là, je veux quand même vous dire que ça n'a pas été facile tous les jours. Faut aussi quand même se le dire, c'est pas parce que l'issue est pas mal que ça a été facile tous les jours. Et il faut peut-être qu'on le garde aussi en mémoire. On a aussi beaucoup perdu de temps dans des dépassements d'organisation qui ont fait que c'était autant de temps perdu où on n'était pas sur le terrain, où on n'était pas à parler, notamment à des personnes qui ne sont pas allées voter à la fin. Et ça, il faut quand même qu'on le garde tous à l'esprit, c'est-à-dire que tout ce temps qui est nécessaire pour notre unité. Tout ce temps aussi qu'on passe dans le dépassement des organisations, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à ramener à la politique toute une partie de notre population. Et je veux dire, les résultats quand même des élections et l'abstention, faut qu'on le garde toutes et tous à l'esprit. Bon, à la fin quand même, parce qu'on a fait un vrai projet de gauche et dont je suis très fier, qui a concerné les nouvelles pratiques politiques, qui a concerné le retour en régie publique. De l'eau, par exemple, et à Lyon, c'est un dossier important, qui a concerné la tarification des transports en commun, qui a concerné le nombre de logements sociaux, l'encadrement des loyers. Bon, je ne vais pas vous le refaire, mais ça a été un moment important, ça a été un moment fort. Le résultat du premier tour, on avoisine, alors il est très variable selon le territoire, mais on avoisine les 10% pour la métropole. Et on doit le dire, on avait dit quand même, on a fait une campagne qui disait très clairement, et j'en étais le premier à prendre la parole au nom de cette gauche unie, on fera alliance avec les écologistes le soir du premier tour. Donc le soir du premier tour, il n'y a eu aucune hésitation, on a dialogué avec les écologistes, ça a mis un peu de temps, puis il y a eu, vous savez, tout comme moi, le confinement, on a maintenu le dialogue, et quand on a su qu'il fallait retourner aux urnes le 28 juin, on a fait un accord respectueux évidemment du rapport de force, et à Lyon, que ce soit à la ville de Lyon ou à la métropole, c'était les écologistes qui étaient loin devant, et donc il n'y avait aucun doute qu'on se rangeait derrière la candidature à la présidence de la métropole de Bruno Bernard et de Grégory Doucet à la ville de Lyon. Et donc, on s'est pleinement engagé dans cette campagne. Moi, je suis très fier que. On ait porté une campagne d'entre-deux tours, enfin pour le deuxième tour, qui a été une campagne qui à la métropole s'appelait les écologistes et la gauche. Hein, et je dois dire qu'il y a eu à Lyon, et on doit dire quand même que ce n'est pas une ville qui est habituée à cela, un retour du clivage gauche-droite. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu la campagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais particulièrement odieuse et violente dans l'entre-deux tours, où on a eu des déclarations de chefs d'entreprise, des déclarations qui craignaient le péril vert et rouge et rose, parce qu'il y avait aussi quand même toutes ces couleurs dans notre alliance. Et bon, tout ça s'est très bien terminé parce que c'est une victoire massive de dimanche dernier qui fait que on portera une majorité de gauche écologiste et de gauche
à la métropole d'ici, enfin ce sera l'élection orale, enfin le conseil d'installation a lieu jeudi, et je dois dire que je suis très heureux d'être élu conseiller métropolitain et de faire partie de cette aventure. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Je crois que c'est aussi ça quand même notre débat et notre discussion. Bon, je dirais d'abord, le premier enseignement, il est à inventer, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on va réussir à faire dans la plupart de nos villes, de nos territoires, et là, notamment à la métropole de Lyon, c'est ce qu'on va réussir à faire ensemble, et je suis très heureux, alors je ne vais pas vous annoncer le nom, mais on participera à l'exécutif. Quand je dis « on », il y aura des insoumis, il y aura des représentants de cette gauche unie, et on va participer sur des dossiers majeurs. Donc c'est aussi ce qu'on va réussir à faire avec les écologistes, qui peut témoigner quand même de notre capacité aussi à entreprendre, à tenir nos engagements et à changer la vie quotidienne quand même des habitants et des habitantes, en ayant à l'esprit qu'une bonne partie n'a pas voté, et je le redis. Donc c'est quand même aussi notre préoccupation première. Une fois qu'on a dit ça, c'est aussi comment on va arriver à tirer des enseignements pour aller plus loin tout de suite, c'est-à-dire d'aller tout de suite vers une candidature de l'unité. Et moi, alors je sais que Gérard est sur cette position, mais moi j'y suis très sensible. On a besoin qu'il y ait une dynamique nationale, et on y contribuera autant qu'on pourra, mais on a besoin de cette dynamique nationale, d'abord parce qu'elle va nous conforter dans ce qu'on est en train de faire ici sur nos territoires, et notamment à la métropole et à la ville de Lyon. Et puis on a besoin d'aller tout de suite sur cette unité. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, moi j'ai tenu bon, mais ça n'a pas été facile tous les jours d'essayer de dépasser. Alors moi je venais d'aucune de ces, j'aurais dû dire ça aussi peut-être, hein, je venais d'aucune des organisations des principales organisations de cette gauche unie, mais on a besoin d'aller tout de suite sur le programme et sur les enjeux d'une candidature clairement marquée à gauche. Et j'espère qu'on tirera les enseignements de ce qu'on a réussi à faire à Lyon depuis notamment le soir du premier tour, parce que Lyon c'est pas n'importe, enfin du chauvinisme local, mais c'est quand même le berceau de la Macronie quand même. C'est un des berceaux réels de la Macronie, et je dois vous dire quand même que c'est quand même une vraie fierté quand même qu'on ait réussi à battre la candidature notamment de Gérard Collomb et de La République En Marche officielle et dissidente, parce que c'était aussi un enseignement national, et on savait qu'on faisait ça. Et si on veut éviter, à mon avis, un duel Macron-Le Pen en 2022, c'est immédiatement, moi je ferai tout ce qui est en ma mesure ici à Lyon et avec vous, c'est avec une candidature unitaire, et seulement avec une candidature unitaire qu'on y arrivera.